Radio Piquant. Radio Piquant, l'ambiance, les lards. Tiens beau, largue pas. Villa, 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 manière. 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 Radio Piquant. Moi, elle est fatiguée. Fatiguée, supportée. Tiens beau, largue pas. En sic sirop de miel. Radio Piquant. Oui, veut dire, il y a du 52% de nez au cul. Donc, si nous prenons ce constat-là, eh ben, nous ne pourrons pas faire pire que ça. Vous comprenez, 52% de rainonné, la peine de l'argent, ils vivent en dessous de 800 euros. Donc, il veut dire, comment quelqu'un peut poser une question si c'est un peu valide. Allons regarder là, aujourd'hui, il y en a des retraités qui gagnent des retraites de misère. Où il y en a des fonctionnaires qui restent en rade en France, ils veulent rentrer dans le policier, ils veulent rentrer à La Réunion, la pleine place pour eux autres, et il y en a de place aussi pour les autres métropolitains ici. Dans l'éducation, dans la police, nous voyons qu'on y fait avec nous là, la rarement dans la gendarmerie, la rarement de créole, toujours. C'est des non-réunionnais, si vous bien. Si le mot il froisse à vous, la police, comme il dit par exemple aux oreilles, il dit métropolitain, bah, des fois il fait froisser les gens. Donc pour les âmes sensibles, on va dire, il y a toujours les non-réunionnais qui travaillent à la réunion. Pour moi, une charte aussi, tout ça a l'air fort. Chez nous, peut-être la charte peut être Miss. C'est pas toutes ces histoires-là. Parce que normalement, quoi, les Miss, cette photo, il faut faire. Hein. Là, maintenant, ils disent des photos un peu osées, allons dire en guillemets un peu osées, tout ça là. Mais ça l'arrangeait, parce qu'aujourd'hui, elle est actrice, elle a fait un boom en avant. Donc, si c'est un moyen aussi pour elle décoller, ben, mais il n'y a pas de problème. Hein. Tous les moyens, les bons, pour que les gens aient réussi. Et nous disent, elle, bravo. Mais c'est le côté qu'elle représente la France qui gêne moins. Donc en dehors de ça, pour moi, c'est une miss, hein. Non, mais les simples. Les mathématiques. Les mathématiques. Enfin, les mathématiques. Explique aux auditeurs. Bon, donc on va dire nous directement, comme nous disons, nous avons une dose d'optimisme en nous. Allez. Et nous les assez, allons pas dire clairvoyants, mais nous les assez visionnaires. Donc, aujourd'hui, le réunionnais, il importe tout ce qu'il y a besoin. On a la carotte d'Australie que souvent nous voit sur les étagères, nous voit les oranges israéliens, nous voit la tomate qui sort en Espagne, tout arrive ici pour un conteneur. Et demain, la réunion est libre. C'est réforme agraire, redistribution des terres au réunionnais. Donc le réunionnais, il ne va pas travailler. Donc déjà, N, 2, plus de parcs maritimes, plus de parcs des hauts, la Réunion revient libre, la Réunion il revient aux Réunionnais. Que ça nous fait ben, nous prend dans la mer, nous fait des écoles de pêche, nous fait des écoles de fabrication de bateaux. À chaque fois, et nous avons l'eau autour de nous, on a la mer, une aberration. Nous avons de l'eau de mer autour de nous et nous apportons le sel. C'est vrai, le sel ne représente pas grand chose, allons dire sur l'économie, marchand, la Réunion. Mais c'est une couillonnise déjà. Pour montrer à haut que maintenant, mais ici, il nous fait un sel de touristes. C'est-à-dire, c'est le conseil général qui parle en ancien marais salant avec deux, trois petits personnes qui fait le sel. Et ce sel-là, mais il n'est pas répandu, c'est pas un sel vraiment pour le réunionner. Bon, donc nous dit comme ça, nous refabriquons le sel, nous refait des écoles de pêche, nous fabriquons des bateaux, nous redevient mécanicien. Aujourd'hui, on a une prime à la casse, par exemple, il porte toutes ses consommations. Un loto, il manque un franc, à l'époque, il jetait le loto, il rachetait le réunionner, il est en dette à lui, et puis après, c'est la réunion aussi, il gagne tous ses carcasses de voitures partout, et après, l'indépendance, le réunionner, tous ses manches aussi. Donc, lui vient un mécanicien, il jette à Paris. Hein. Donc, il aura déjà l'atmosphère, le pays va aller mieux déjà écologiquement. Et aussi, imagine aujourd'hui, la douane que lui pourrait taxer tous les bateaux qui passent par le sang indien. Parce que nous, la nuit est grand sur la mienne. Hein. Il ne faut pas nous parler seulement en tant que 2500 km² la Réunion. Nous parle en surface maritime. Et lors d'une émission politique, on l'a dit comme ça, que nous, les vieilles colonies, Guyane, Guadeloupe, Martinique, il fait les béquilles de la France. Voici, on lève ça là, la France y trébuche. Parce que c'est des bases militaires stratégiques, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas que ça. On a maintenant Guyane. Et aujourd'hui, c'est Guyane qui fait rentrer à Kourou, qui fait rentrer pas mal de milliards.
à la France. Donc il fallait servir de la plateforme guyanaise pour elle envoyer ses satellites ailleurs. C'est des satellites européennes, hein, donc elle est payée. Si elle gagne de l'argent aujourd'hui, c'est à cause de la colonie Guyane. Après, si elle ne dit pas ce qu'elle dit, ce qu'elle donnerait de nez, mais ce qu'elle y prend en taxe maritime. Tous les bateaux qu'elle taxe, les bateaux qui rentrent ici. Et là maintenant, elle a parti chez Mayotte, pourquoi? Pour les beaux yeux des Maoris, hein. C'est uniquement pour le canal Mozambique. C'est pour taxer tous les bateaux qui passent là, le pétrole. Donc, voilà toujours les départements. Enfin, on n'est pas si pauvre que ça. Hein. Sinon, à longtemps, des films l'organon. Donc, il veut dire comme ça, là, il faut batailler justement pour que demain, c'est Réunionnais qui prend son économie en main. Tous les jours et 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, écoutez le son tropical sur RCI Réunion. Sur RCI Réunion.